Vous venez de voir quelques images là, de Québec. Après de nombreux rebondissements, le sort du projet de tramway, c'est en train de se jouer. Dany, le maire de Québec est en rencontre là, depuis 16 heures avec le premier ministre. Sophie, ça vient tout juste de se terminer. Le maire qui vient de sortir de cette rencontre qui a duré une heure, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui était visiblement très déçu parce que cette option, ce plan B, n'a pas été retenu par le premier ministre. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, là, mais une très bonne discussion avec le premier ministre, où on s'est parlé tous les deux dans le blanc des yeux, là, seul, lui et moi, où j'ai fait la présentation du plan pour que la ville réalise le projet de transport structurant qui est le tramway. C'est pas l'option qu'il va retenir. Évidemment, j'en suis déçu. Maintenant, dans la suite des choses, je vais lui laisser vous présenter quelle est la vision et celle de son gouvernement pour la suite des choses. Mais je lui ai assuré de notre collaboration pour la suite des choses. Maintenant, on va attendre que le gouvernement vous présente ça. Sophie, on savait que c'était déterminant, cette rencontre. Le premier ministre, même à 8,4 milliards de dollars, avait dit que c'était un projet cher, trop cher. Le premier ministre parle toujours d'un transport lourd, de l'importance d'un transport en commun pour Québec. Dans quel état d'esprit étaient la ministre Guilbeault, la ministre des Transports et le ministre responsable de la Capitale-Nationale juste avant cette rencontre? Parce que là, on les attend toujours, ils ne sont pas sortis encore, mais on les écoute avant la rencontre. Est-ce que c'est la fin du projet, Mme Guilbeault, aujourd'hui? Je pense que vous savez où je me rends actuellement, donc on va aller faire la rencontre. Est-ce que c'est la fin du projet? On s'en va rencontrer M. Marchand et on aura certainement l'occasion d'en reparler par la suite. Vous êtes dans une attitude de collaboration? Toujours. Ça va-tu régler aujourd'hui? Bien, on va avoir de bonnes discussions aujourd'hui. On ne présume pas avant les discussions de l'entrepreneur. C'est-tu la dernière chance pour le tramway? Alors, je vous rappelle que le premier ministre n'a pas retenu le plan B du maire Marchand. Donc, on attend justement peut-être des réactions du premier ministre plus tard. Oui. À plus tard. Merci beaucoup.